Salut, c'est LG, on se retrouve pour l'épisode 6 de Paper Mario Color Splash. Nous allons aller à la tour cramoisie. Apparemment, il y a une grosse étoile de couleur qui nous y attend. Donc on y va sans plus tarder, voilà. Et puis la dernière fois, eh bien, on a eu un manque de points. On a perdu au premier tour du pierre-feuille-ciseau. De toute façon, je m'en doutais avec ma malchance de tous les jours. Voilà, je la connais à force. Du coup, rien de choquant. Ok. Oh. Allez, oh, ça sent la peinture de l'autre côté du portail. La peinture rouge même et le parfum est bien plus puissant que celui de la petite étoile rouge qui nous a conduit ici. A tous les coups, c'est le signe que la grande étoile rouge nous attend dans la tour cramoisie derrière ce portail. Ouais, par contre, les tonnes là-haut avec les petites clés, ça me rappelle le mec à utiliser ses super pouvoirs là. Toi là. Hein? Mario? Je suis venu de par barbouille pour... Qu'est-ce que je suis venu faire ici déjà? Ah mais oui, pour admirer le pont qui mène à la tour cramoisie. On dit que c'est une merveille d'ingénierie. Tout bon bâtisseur de pont qui se respecte doit l'avoir vu une fois dans sa vie. Seulement voilà, alors que j'essayais d'ouvrir ce portail, un team m'a sauté dessus avec une paille. Heureusement tu es arrivé et tu m'as sauvé, parce qu'il m'a sucé à mort. Merci pour tout. Attends, tu as fait tout ce chemin pour voir un pont? Alors soit tu es dérangé, soit tu construis des ponts. Je suis bâtisseur de pont, oui, et parfaitement saint d'esprit. Eh, bâtisseur de pont! J'ai besoin de toi? Bon, vous, il était attaqué et le pont du quartier bleu était détruit, c'est plutôt embêtant. Embêtant? Mais c'est une catastrophe majeure, tu veux dire? Je vais retourner à Parabou immédiatement, pauvre petit pont, je vais te rafistoler en un rien de temps. Ah, voilà. Donc on pourra accéder à la gauche. Et du coup, c'est quoi ça? Ok, ça se repeint. Mais on va pas y toucher, là, on peut voir qu'il y a trois petits toads avec une clé. De toute façon, on m'a dit qu'on va falloir qu'on s'occupe du toad bâtisseur. Donc c'est ce qu'on va faire, et puis on reviendra ici un petit peu plus tard. Là, on va directement aller au port Barbouille. Et ces toads, ça me rappelle l'un d'entre eux, là, celui qui avait des super pouvoirs au lac cerise, là. Le toad justicier, le justicier de la nudité, comme on l'appelle. Je vais te montrer ça, je sais pas si tu te rappelles, tu vas voir. Sauvegarde. Garde, lui là, tu vois, il avait une petite clé là-dessus. Donc peut-être je vais avoir besoin d'eux. Mais avant, port Barbouille. Puisque nous avons retrouvé le bâtisseur, il fallait qu'on en trouve un pour qu'il reconstruise le pont à gauche. Maintenant, ça va être chose faite. Il va pouvoir accéder à gauche. Hey Mario, tu te souviens du taux de bâtisseur de pont qu'on a rencontré? Je me demande s'il a fini de reconstruire le pont du quartier bleu. Allons jeter un oeil. Ah bah, au lieu de me parler, on y va. Alors. Oui, c'est bon. Et voilà le travail Mario, il est encore plus beau qu'avant, tu ne trouves pas? Oh mais c'est vrai que c'est la première fois que tu le vois au fond, enfin, tu peux me croire. Allez à toi l'odeur, tu vas inaugurer mon nouveau chef-d'œuvre. Et tester sa solidité au passage. Je l'inaugure! Je l'inaugure avec de la couleur, rien à foutre! Ils sont contents. Et voilà le travail Mario, il est encore plus beau qu'avant, tu ne trouves pas? Oh mais c'est vrai que c'est la première fois que tu... Mais oui, tu me redis la même chose. C'est bon, j'ai inauguré. Voilà, c'est bon, ça fonctionne très très bien. Bon verdict, on est parti de là, on s'est retrouvé de l'autre côté. C'est un pont quoi. Au milieu, ça sent la peinture et pas quelle peinture. Oh! Sans la peinture bleue, si, tu peux me croire. Il s'agit même sans doute de la peinture d'une étoile de couleur. On dirait qu'il va falloir la mériter. Comment on est censé grimper sur cette terrasse? Déjà, on repeint celle-là, comme fleur. Oh, je n'y connais, tu connais sans pont. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça va? Allô? Ah, ok. Touk! Putain. Beaucoup de peinture ici. Todd. Ah, tout va bien? Oh, merci Mario! Tiens, laisse-moi offrir un verre, c'est la moindre des choses. Oh, il pue. Tu veux peut-être une paille pour ta boîte? Oh, misère. Faudrait pas de penser à ce monstre qui aspire la couleur avec sa paille. Désormais, les pailles sur, les pailles et caquettes seront interdites dans ce café. Oh, mais à quoi bon, ça ne suffira pas à atténuer mes craintes. Ce qu'il faudrait, c'est un changement radical, commencer une nouvelle vie loin de Parbarbu. Les pièces. Toi. Ouf, quel soulagement, ces barbares n'ont pas aspiré loin de mon journal. Tu lis le canard de Barbouille. Des fois, on y trouve toujours les infos les plus récentes et les plus passionnantes. Ah, si tu veux te tenir informé, savoir où aller ou te rafraîchir la mémoire, je serais ravi de te lire un article. Mais tu que je lis un article, Mario, ça te coûtera. Va te faire foutre. Alors, est-ce que la couleur est random quand je fais un coup sur le Toad ou c'est vraiment la couleur qu'il devait avoir de base? Genre là, c'était deux rouges ou vraiment c'était rouge au hasard? Ce malin, mon café a refroidi. Sûrement le gars au journal qui m'a endormi avec ses articles barbares. Ok. Touk touk touk. Y'a rien là. Ça, je peux ouvrir. Oui, matière multicouleur. Du vert. Oh, que je suis heureux. Maintenant que le pont est réparé, je vais pouvoir retourner au travail. Je sens comme une lettre égarée qui aurait enfin rejoint sa destination.
Pas parlant de lettres, il y a peut-être du courrier pour toi, Mario. Tu devrais passer au bureau de poste sans tarder. On y va. Oui, on dirait qu'une tornade s'est battue sur le bureau de poste. Regarde ça, l'enseigne est de traviole. C'est des petits timbres. Bonjour. Voilà, il y a de la pâture ici. On va te parler. Et tu tombes bien, j'ai du courrier pour toi. Taïo Mario, c'est moi, le Toad de la salle d'entraînement. Je suis en train d'apprendre à maîtriser la fleur de feu. Tu veux venir t'entraîner avec moi? On l'a fait la dernière fois. J'attends dans le quartier. Ok. Et ça ne s'arrête pas là, vénère. Salut Mario, ici le patron du café de la route écarlate. J'ai pas mal de temps libre en ce moment, inversement proportionnel au nombre de mes clients à vrai dire. Alors si tu veux venir me faire un petit coucou pour m'occuper de ne serait-ce que 2 minutes, ce sera sympa. On l'a fait aussi la dernière fois. Luigi! Salut frangin, c'est moi Luigi! Mario! Tu as déjà rendu visite à l'essoreur? Si ça t'intéresse, il vient d'ouvrir un magasin sur le quai de Port-Barbouille. L'essoreur. Ouais, mais on a été le voir aussi. Et tout ça, on a fait en fait. Ça s'arrête pas là, Vénard. Salut frangin, c'est Luigi. Tu as déjà obtenu des cartes trucs, j'imagine, mais tu as pris la peine de lire leur description. Ce sera peut-être des. C'est déjà fait. Tout ça, si on relit des anciennes lettres, ouvre le menu, touche objet, puis icône en forme de lettre. Dis-le, toi de postal, ton enseigne et de traviole, ça fait pas très sérieux, faudrait peut-être y remédier. De traviole? Mais c'est un désastre! Et qu'est-ce que les gens vont penser? C'est ma réputation même qui est en porte-à-faux. Merci, je m'expédie sur le champ en courrier propriétaire, prioritaire pour y remédier. D'accord. Non, je peux pas y aller. Sortons. Ah, c'est beau comme ça. Alors, de quoi ça a l'air? C'est de droitiole maintenant? Super, tout est rentré dans l'ordre. Merci de m'avoir prévenu, les amis. C'est bien, mais moi je dois monter en fait. Je dois monter pour aller chercher. Chercher l'étoile bleue. Il est toujours triste lui. Je suis paillophobe. Pas plus de vivre ici. Bah, vas-y, casse-toi. Je te retiens pas. Oui. Ah, ils sont contents, je suis dessus. Ah. Du coup, comment on fait pour aller chercher la petite étoile bleue là-haut? Il y a une petite couleur là par là-bas, malheureusement impossible de traverser. Ouais. Malheureusement. Donc j'ai plus rien à faire ici. Ça se passe comment? Je vais aller revoir le postier. Peut-être des choses à me dire. Désolé Mario, je n'ai aucune lettre pour toi. Non bah. Apparemment on a l'air d'avoir fini. Ah peut-être un petit découpage quelque part. Ah, 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 ah! Sur le pont! Non! En tête en haut! Et hop là! Et d'ici! Non, je peux pas non plus! Faut que j'arrive à trouver un endroit bien propre! Ah, t'as une tache ici, j'ai pas vu! C'est bon, je suis bien centré là! Pourquoi tu veux pas? Ah! D'accord. Ok. Donc, il fallait servir de sa pancarte. Du coup. Donc on découpe au-dessus de l'arbre la pancarte, on remonte au-dessus où il y a le drapeau. Voilà. Toujours le petit chemin à suivre jusqu'au drapeau, sens inverse. Voilà. Et là je suis monté au niveau de l'arbre normalement. Yeah! Cool, on est sur la terrasse. Toad. Oh, ma couleur est revenue, je ne rêve pas. Youpi, je dois vite me rendre là où on se réunissait tous. Bien, ça va. Alors oui, à certains niveaux, j'ai oublié quelques tâches. Hein. Toi là, le barbare à moustache qui cogne tout ce qu'il voit, bim, bam, boum, boum, vous l'avez dit par commentaire. Donc on y retournera de toute façon comme ça, 100%. Tu as l'air d'être un combattant accompli, j'imagine que tu as une impressionnante collection de cartes de combat, pas vrai? Ça va t'importuner, est-ce que je pourrais y jeter un œil? J'ai pas confiance en fait. Non. Bon allez quoi, je veux juste regarder les zigzags, vraiment j'insiste. J'insiste que non. Putain, j'ai pas le choix. Oui. Vous avez donné toutes vos cartes. Il va se casser maintenant. Oh oui, magnifique esquisse, j'ai du mal à en croire mes lunettes. Tu possèdes là une fameuse collection de cartes de combat. Oh oui, oh ha.
Tu envisages de nous rendre les cartes, j'imagine? On peut se faire attaquer à n'importe quel moment. Tiens, bah, regarde. Eh ben, on va peut-être pouvoir voir ce que ça fait quand on a plus de cartes. Bah voilà. Réponse à nos questions. Ça perd un hippo plein, nous voilà dans le beau drap. Non, aucune carte de combat, comment allons-nous faire pour nous en sortir? Ah, oh, mais j'y pense, il y a une solution. La roulette de combat. Je regarde le gamepad. Vous n'avez aucune carte. Ok. J'ai de quoi fuir, mais une roulette de combat qui s'active. Cette technique te permet d'obtenir une carte d'une simple pression. Tu peux t'en servir une fois par tour à condition de payer pour chaque utilisation. Il suffit de toucher ce panneau pour commencer. Tu sais quoi? Comme je suis généreux, je suis prêt à mettre 10 pièces de ma poche pour ton premier essai. Donc j'ai une icône où il écrit roulette de combat x 10 pièces en fait, et je peux appuyer. Mais juste pour cette fois, hein. Faut pas me prendre pour un pot percé non plus. Donc là, il paye à ma place, génial. Et je vais obtenir une carte logiquement. Voilà, roulette de combat. Quand les cartes commencent à défiler, touche l'écran pour stopper la roulette et obtenir une carte. Celle-ci est alors placée dans ton paquet. Tu peux aussi te faciliter la vie en payant quelques pièces et retourner les cartes, et même pour les ralentir. Allez, on essaye. Encore une fois, c'est sur le gamepad. Hein. J'appuie sur le bouton pour arrêter. Je touche. Yeah, un saut. Parfait, c'est ce que je voulais. Carte obtenue. Et ben, on va l'utiliser directement. Sélection prête. Voilà. Et là, tu vas crever. Donc, intéressant. Si on n'a plus de cartes, et bien, voilà, on a la petite roulette qui permet d'obtenir de nouvelles cartes. Yeah. Ok, tandis que je fais. Tenez, Toubidou, voici vos cartes. Merci de m'avoir laissé les admirer. Pas de quoi. J'ai récupéré vos cartes. Bien joué, vous laisser à présent. C'était un plaisir de rencontrer des collectionneurs de votre envergure. Oh là là, oui. C'est sympa. Il est pas net, ce Todd-là. Mais bon, cette petite mésaventure nous a au moins permis d'apprendre à maîtriser la roulette de combat. Vous comprenez le tout, on a une petite toile de couleur qui nous tend les bras. Enfin, les branches. C'est... Yeah. Nouvelle étoile bleue. Petite étoile de couleur bleue. Touk, 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 touk. Et après, du coup, on va aller où hein, quand on a obtenu ça. Peut-être une nouvelle map qui va se développer. Sur la map. Oui, juste à côté. Yeah. Petite sauvegarde. La caverne indigo. Non, les cavernes indigo. On y va. J'ai beaucoup d'argent. On va pouvoir aller racheter des cartes. Dès qu'on aura un moment. Donc une sorte de grotte, des cavernes. Hop. Déjà pas repeindre. Tout ce qu'on voit. Donc. Argent, argent, argent. Et ça a l'air d'être bon. Ça fait rien ça? Non, ça fait rien. Un petit tuyau. Entrée. Oh, lui sera. Oh. Bonjour. Tirez. Amy, ça suffit! Arrête de tirer comme un sauvage, tu vas m'arracher les jambes. Tu ne peux rien faire pour me tirer de là, sans tirer avec une sorte de ventouse par exemple. Ou toi, trouve quelque chose, ce que je te demande, c'est de la déboucher dessus à la noix. Sans vouloir te commander, bien sûr. Une ventouse. Si j'ai envie de te retirer, je te retire si je veux! Ça suffit, j'ai trouvé quelque chose pour déboucher le tuyau. Et on a besoin de je suis plombier. C'est ça le problème. Ah, voilà. Donc là, rien de secret, je découvre le petit carré qui va derrière. Il y aura une ventouse, c'est ça, hein? Ah, tu utilises la technique du découpage, super. Laisse-moi te dire un peu comment ça marche. Pour avoir découpé un morceau de décor en forme de carte, tu peux y placer une de tes cartes. Oh! Tu choisis la bonne, quelque chose d'étrange et de merveilleux pourrait se produire. Choisis la mauvaise carte et non seulement rien ne se passera, mais en plus tu perdras ta carte. Bonne chance. Ah, la ventouse! J'ai pas la ventouse. Je l'ai plus. Je l'ai plus. Je suis obligé d'annuler. Bon bah, on va revenir, mon gars. Je vais chercher une petite ventouse. Oui. Ça, ça apporte barbouille. Notre fois, on l'a tenu là-haut. Est-ce qu'il va me la redonner? Toujours la petite sauvegarde toute seule. Voilà. À moins qu'ils en vendent une. On va voir ça. Je vais aller revoir déjà l'autre Todd. Qui est en bas, au niveau du port. C'est le mec qui donne une petite ventouse. Comme ça, on débloquera la suite pour tout de suite, quoi.
Allez mec. Ouais. Regardez le menu. Ah, je peux choisir l'objet que je peux sauver. Eh bah écoute, une ventouse, 150 pièces. Bon, pas le choix. Sinon le ventilateur était épuisé, c'était écrit. Il y a beaucoup de fonctionnalités sur le gamepad en fait, putain. Ils sauront ça. Ooh, baby. La petite ventouse sexy. Mais elle était puissante en plus, hein, cette carte. Au plaisir. Oui. On va retourner sur la carte du monde. Et on va pouvoir déboucher le tuyau. Merci. On y va. T'as que 4% avec toutes les tâches que j'ai recouvert. Avoir des choses à faire. On recommence. Ah, faut que je me mette bien droit en fait. Du décor. C'est parti. Faire la même chose. Je vais placer ma carte. Ah, tu utilises la technique. Nanani, nanana, il me redit. Ventouse. Et on repeint à fond. Oh. Yeah. Oh boum. Oh putain, cette ventouse. Ah, ah, sur moi, tu vas désinfecter cette ventouse avant d'utiliser sur moi. Allez, 9. Bouh, je pensais que j'étais suffisamment entraîné pour faire face à tout genre de situation. Je présente, je suis le capitaine de l'équipe sauvetage verte. Enchanté de faire ta connaissance. J'ai signalé des échauffourées dans les cavernes indigo, alors nous sommes accourus à la rescousse. Nous sommes tombés dans une embuscade et les 6 membres de l'équipe ont été dispersés. C'est un cauchemar, nous avons été aplatis, pliés, froissés, déchirés, j'en passe à des meilleurs. Et ensuite on m'a jeté dans ce tuyau comme une vulgaire boulette de papier mâché. Moi, le capitaine. Ça te semble étrange, mais j'ai besoin de toi pour secourir mes 6 petits gars. Et moi je t'en supplie. Alors l'équipe de sauvetage a besoin d'être sauvée. Ça arrive souvent de devoir faire ce genre de choses, Mario. Bon, si la petite étoile de couleur nous a conduit ici, c'est qu'il doit y avoir une étoile dans les cavernes. Allons explorer. On y va. On y va. Merci. Ils sont sérieux. À l'attaque. Un petit saut de merde. Ah, j'ai d'ailleurs directement la roulette. Hein. Je suis pas forcément d'avoir plus besoin de cartes tout de suite. Enfin, si j'en ai plus, elle est quand même. Touk. Touk. Boum. Putain, on le finit pas, sérieux. Oh. Ok, elle est tombée. D'accord, faites ce que je voulais dire. Donc même si on a des cartes, je peux utiliser la roulette de combat. Voilà. Allez, pas moi ça. Donc un saut, c'est pas suffisant pour un masque. Et là, pas suffisant. Enfoiré. Allez. C'est bon. Est-ce que je peux rentrer dans mon petit tuyau maintenant? Tu vois, c'est l'un des vilains méchants qui nous ont attaqués. Il y en a d'autres à l'intérieur, sois prudent. Je pars devant, je rejoins le point de rendez-vous. Moi, je prends ça. Hop. Et on te rejoint. C'est bon. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oh. Stylé. Eh ben, en plus, il y a la musique. Casse qui pique. Salut les gars. Allez, prends ça. 2. Un marteau. Ouais. Repeint au maximum. Coucaton. Décoloré, retour. Je vais mettre 2 cartes quand même. Voilà, sélection prête. Peinture maximum. Peinture maximum. Ils ont pas n'importe quoi, c'est facile. Super, voilà. Ah bah. Voilà, c'était au cas où si je réussissais pas ce coup-là, mais on a réussi. Ah, ça tue les deux, ok. Touk. C'est quoi de ce truc? Bon, voilà. C'est quoi ce bazar? Me rouler en boule et me lancer comme si j'étais une... Ah d'accord, bon, pour la poubelle, c'est avec toi qui s'amusait. Ton numéro 1 de l'équipe de sauvetage verte au rapport. Il est temps de rejoindre le capitaine, pas un instant à perdre. Ah, on secourut 1, encore 5 et l'équipe de sauvetage sera constituée. Ok.
C'est un découpage ici. Ça, je monte. Je pense pas qu'il y ait quelque chose caché. Fais gaffe à la chauve-souris en haut. Encore des cartes. Non. Alors je monte là-dessus. Il y a de la vie à droite et j'en ai pas besoin. Il y aura un truc de peinture. Petite chauve-souris. Alors, un seau, ça devrait être suffisant. Hop, saut miteux. Tchouk, sec. Ouais, c'est bon, ça va beaucoup de vie, c'est bon. Ça. Tu dégages. Et là, nous avons un deuxième Toad. Pas un bon Mario. Je me tiens de côté pour ne pas être repéré par le Swooper. C'est le nom, le Swooper. C'est pas le nom des chauves-souris. Ah ça, le Swooper est parti. Ma super tactique de camouflage a fonctionné. Donne numéro 2 de l'équipe de sauvetage verte. Au rapport. Il est temps de rejoindre le capitaine, pas un instant à perdre. 2. Encore 4. Un arbre peint ici. Bonjour messieurs. Repeins ça s'il te plaît. Merci. Ta gueule. Boum! Il y a les trois. Alors, on va utiliser quelque chose qui serait pas mal contre vous. Non, pas un marteau quick. Triple marteau, non. Est-ce que j'aurais pas un triple saut? Si, triple saut miteux. Parfait. Allez, dégage. Bon, t'es mort, j'ai plus besoin de combo. T'es mort, j'ai plus besoin de combo. Et toi, je te finis quand même avec un combo. Boum! Pour l'humiliation. Yeah. Swooper. Ah. Je suis obligé de prendre la vie. Et ça, on a fini de repeindre. Allez, remonte. Y'a rien. Hein. C'est juste de la peinture. On a que dalle. Continue. Ça, ça descend. Boum. Chope la priorité. Petit footer. Il y en a trois encore. Ah bah écoute. Encore un triple saut miteux. Voilà. Sélection prête. Je mets de la peinture. Et on y va. Bonus parfait pour avoir de l'argent en plus. Que dalle, que dalle, que dalle, que dalle. Allez, descends-toi. Ah! Comment je m'y attendais ce truc? C'est stylé quand même les petits soupeurs là qu'on voit devant. Ça rajoute des éléments du décor. Hop. Attends, parce qu'il y avait encore un trou dans ce truc. Ça repeint d'avant. Voilà. Très bien. Petite peinture bleue, j'en ai plus besoin. Rouge non plus. Alors attendre un petit peu. Là. On attend. Et ça, je repars par contre. Voilà. Est-ce qu'on a un passage? Oui, on a encore un passage. Putain, il y a plein de petits passages ici, il va falloir faire attention. Ouais, non, je pourrais pas. On prend cette petite porte. Qui nous mène où? Toi, est-ce que faut que je te saute dessus? On va voir ça tout de suite. Ouais, faut sauter dessus. Alors, putain, j'ai plein de cartes maintenant. Bah, juste une carte de saut. Hein. Je pense que ça va faire un peu comme le Koopa, ça va leur renvoyer aussi.
rien, hop, tu dégages. Donc ça marche pareil. Petit saut, parfait. J'en ai besoin des simples comme ça, parce que j'en ai plus du tout. Et on reprend la peinture bleue. Alors, nous avons 3 en haut. Ça, c'est les 3 qu'on a sauvés, ça. C'est 3 qu'on a sauvés, et il y a une étoile jaune là-haut. Ça, on va en parler maintenant. Hop! Allez, ça dégage. Et je vais prendre le saut. Hop, sélection prête. Peinture terminée, il n'y a pas besoin de mettre de peinture. Ah merde, il y en a un deuxième! Ah oh, putain, j'ai pas fait gaffe. Je regarde mon équipage, de toute façon, on regarde. Voilà. Il prend la carapace dans la tronche. Jamais des fois, hein. Je préfère utiliser le découpe dans le vide comme ça. Par ici, mais voilà, merci. Sec. Ah merde, toi je pourrais pas te toucher. Alors, du coup, on va prendre un triple saut ici. Peinture maximum, ça peut le faire. Lui, j'ai besoin de sauter normalement. Voilà. Et toi, on te double combo et c'est bon. Voilà, ça c'est le truc qu'il va falloir souvenir. Hein. Quelle bestiole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un marteau. On a besoin un petit peu de peinture. Surtout du jaune, voilà. Touk! La même chose, hein. C'est pas compliqué ces monstres. J'ai plus de quoi sauter. Ah ouais. J'ai plus rien pour sauter. Si j'ai un multi-pont, un multi-bond et un saut rebond. Bon. Utiliser un saut rebond, hein. Hop. Voilà, j'ai même pas besoin d'appuyer. Regarde, ça va se faire tout seul. Tu dégages. Donc, il va falloir que j'achète des cartes simples. La pénurie, là. Ta gueule. Yeah, je l'ai touché avec mon marteau de peinture en plus. Est-ce que ça fait un truc supplémentaire? Non, c'est pareil. Vous êtes deux. Donc, je pense que contre vous, on va aller chercher, c'est un petit Koopa. Voilà. On va le repeindre au maximum, hein, que ça va mettre les dégâts. Et... action! Viens ici! Et attaque... carapace. Voilà. Double one shot. Voilà, pour le moment c'est tranquille. Hein. Ça va. Là il y a un truc caché. Ok. Pas une découpe à faire? Non. Toi viens ici. Viens ici. Il veut pas venir? Viens? Merde, il veut pas venir. Je voulais mettre des nuits en fait pour sauter et aller chercher le bloc, mais il voulait pas venir. Donc j'ai cassé un truc, j'espère que ça va pas coincer pour aller chercher le bloc. Je crois pas. Mais j'ai pas rien, les gars, moi, à force là. Hop! On y va! Tant pis, hein, j'utilise un triple. J'ai plus que ça. Parce que le marteau lui faudra pas beaucoup de dégâts, là, étant donné qu'il en. En mode défense. Sous sa coquille. Ah, j'ai vu un petit tot qui passait. Boiser. Décollé. Encore un tot. On a collé le bout du ruban adhésif, donc tu peux descendre sans vouloir t'obliger, bien sûr. Oh, enfin. J'ai le visage tout poisseux à cause de ce ruban adhésif. Pouah, d'erc. Je dois aller me débarbouiller. J'espère que cette sale colle n'a pas abîmé mon teint de porcelaine. Ton numéro 3 de l'équipe de sauvetage verte, au rapport. Il est temps de rejoindre le capitaine, pas d'instant à perdre. Ah, il m'en manque combien là? 2? Plus que 3. Là, il y en a un deuxième. Ok, c'est bon, j'ai compris.
On va se faire chier à faire tous les monstres, hein, tous les mascas. Bah tiens, regarde ce qu'on va faire. C'est comment envoyer lui. Hop. On y va. Et on va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'il a une attaque de la Spearcœur, un truc du genre. D'accord. D'accord. Bon, je pouvais peut-être appuyer sur un au bout d'un moment, mais... Il l'a tué. Ah, putain. C'est pratiquement en direct, en fait. Pratiquement. Un marteau. Hop, je crois pas au maximum. Et on glisse. Yeah. 1111 en argent. Ah, merde. 114. Bon, je pourrais tous les tuer. Ah, presque. Voilà. On va pas se faire chier. Ah bah regarde. Il vient automatiquement. Comme ça on va tout défoncer en même temps. Est-ce que j'ai pas un coup pas qui traîne? Oh, alors là si j'ai un coup pas. Oh c'est beau. Allez, full peinture. Et là ça va faire mal, vas-y mon petit coup pas. Tu vas voir, ça va être incroyablement orgasmique. Attaque. Date combo. Date combo. Merci Koopa. Voilà. Ça va pouvoir tout récolter en même temps. Mario, derrière toi. Ça a mis un peu de temps à sortir, désolé. L'horreur de la scène m'a laissé pendant tout. T'as numéro 4 de kill de sauvetage, blablabla. T'as eu un citron en haut à gauche. Que de petits gars à trouver. Ok. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Non. Ouais, et puis là-haut, je peux pas y aller encore pour le moment. Du coup, on a une espèce de rocher avec deux mascas sur un petit îlot. On va pouvoir aller en bas pour aller chercher les autres Toads. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se quitter pour cet épisode. On va éviter d'en faire des trop longs. Et puis on ira faire tout ça, eh bien, pour le prochain épisode. Se regarder en cours, voilà. Et j'espère que tu auras apprécié cet épisode. Et je te donne rendez-vous pour la suite de Paper Mario Color Splash. On ira retrouver les deux Toads de rescousse vert qui manquent. Et puis après, je pense qu'on pourra aller vers le haut, puisqu'ils vont construire le petit pont et on va pouvoir poursuivre par là-haut. Donc il faudra aller au sud. Allez, bref, ça se porte bien et à la prochaine. Salut!